Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 00 12. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Je vous recommande ma maman, qui a 87 ans et qui écoute le chapelet tous les jours. Je vous demande de bien la prendre dans vos prières. Elle est contente d'entendre les pèlerins de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes, je vous demande de faire une intention de prière pour mon mari qui guérisse de sa dépression. Merci Notre-Dame de Lourdes, guérissez Édouard. Merci. Sainte Bernadette, je vous demande de prier pour ma mère, de guérir ma mère qui actuellement est hospitalisée. Venez à son secours. Merci, merci Maman Marie, merci beaucoup. La Vierge Marie, dans ce mystère de l'incarnation que nous nous préparons à célébrer, que ce mystère nous rappelle que le Fils de Dieu est venu à notre rencontre dans l'enfant Jésus de Bethléem, mais aussi qu'il est venu par l'homme cloué sur le bois de la croix. Dieu englobe l'humanité de la naissance jusqu'à la mort. Il vient nous dire combien notre vie a du prix aux yeux de Dieu, combien nous sommes importants, que notre vie a un sens, un avenir. Depuis l'instant de notre conception jusqu'à la mort, notre vie est sacrée. Prions avec Marie l'Immaculée, celle qui nous a donné le Sauveur. Rendons grâce au Père, au Fils et à l'Esprit, par qui le salut et l'amour nous sont donnés. La croix du Christ, que nous célébrons par ces mystères douloureux, c'est le dernier cri, le cri d'amour de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous, qui nous appelle à la confiance, à ne jamais douter que le Christ est toujours avec nous comme il nous l'a promis et qu'il a offert sa vie par amour pour nous pardonner nos péchés et nous ramener au Père. Prions ce chapelet aux intentions du pape François, pour lui-même, pour sa mission de pasteur de l'Église. Prions pour les prêtres, les évêques, les diacres, les religieux et religieuses. Prions pour tout chrétien, mais aussi pour ceux qui n'ont pas encore rencontré le Christ. Dans notre prière, nous prions pour tous ceux qui sont atteints par la maladie, l'handicap, la souffrance, une épreuve, le deuil, le chômage, la séparation. Nous prions particulièrement pour Yves, Isabelle, Bernard, pour Maurice, pour Lynn, pour Patricia, et pour tous ceux et celles à qui nous avons promis de prier ici auprès de l'Immaculée. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus. Il sortit, se rendit comme de coutume au mont des Oliviers. Les disciples aussi le suivirent. Parvenu en ce lieu, il leur dit « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ». Il s'éloigna, à genoux, il priait « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté qui se fasse. » En ce temps de l'avant, de l'attente de la venue du Seigneur, nous sommes invités à veiller et à prier. Que la Vierge Marie, avec Saint Joseph, nous aide à dire aussi « qu'il me soit fait selon ta parole ». Prions particulièrement pour toutes les personnes isolées, oubliées de leur famille, les personnes dans la rue, les exclus de notre monde et pour les agonisants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui à l'heure de l'agonie accepte la volonté du Père, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Deuxième mystère, la flagellation. Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent, le livrèrent à Pilate, le gouverneur, et celui-ci l'interrogea. Puis Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il leur livra pour qu'il soit crucifié. Le mystère de l'incarnation est le mystère de l'abaissement du Fils de Dieu qui se livre pour nous libérer de nos péchés. Prions pour la conversion des pécheurs et pour ceux qui subissent les épreuves. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui subit les coups de la flagellation, les coups de nos péchés, de nos égoïsmes, de nos manques d'amour, il est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Troisième mystère. Ayant dévêtu Jésus, ils lui mirent un manteau écarlate. Puis, ayant tressé une couronne d'épines, ils la placèrent sur sa tête avec un roseau dans sa main droite. Ils se moquèrent de lui, crachant sur lui. Ils prenaient le roseau et en frappaient sa tête. Prions pour tous ceux qui souffrent la dérision et la calomnie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, couronné d'épines, subissant la dérision, est béni. Sainte
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Quatrième mystère, Jésus est chargé de sa croix. Pilate leur dit, « Voici votre roi !» Mais ils crièrent, « À mort, crucifie-le !» Alors il leur livra. Ils prirent donc Jésus, il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit Golgotha. Jésus est venu au milieu de nous pour sauver tous les hommes. En ce temps de l'Avent, prions pour tous les prisonniers et pour leurs victimes. Prions pour la conversion des pécheurs. Prions pour tous ceux et celles qui portent une lourde croix dans leur vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, portant la croix de nos maladies, de nos souffrances et de nos péchés, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Cinquième mystère, la crucifixion. Arrivé au lieu dit calvaire, ils crucifièrent Jésus et avec lui deux autres malfaiteurs. Et Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'était environ la sixième heure, l'obscurité se fit sur toute la terre. Le voile du sanctuaire se déchira par le milieu, et poussant un grand cri, Jésus dit, « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il expira. Jésus est né pour offrir sa vie pour le rachat de nos âmes. Prions pour tous ceux qui donnent leur vie au service de leurs frères et sœurs. Prions pour les agonisants, ceux qui vont mourir, pour nos défunts, pour les âmes du purgatoire et pour demander la grâce d'une bonne mort. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, remettant sa vie entre les mains du Père, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, à l'heure où tu fus conduit à la croix pour le salut du monde, à l'heure où tu fus élevé sur la croix pour le pardon des péchés, pardonne-nous les fautes commises, protège-nous du mal, et par ta venue au milieu de nous, accorde-nous ta lumière qui nous guidera jusqu'à la vraie vie. Toi qui règnes pour les siècles des siècles avec le Père et l'Esprit Saint. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, le Dieu Tout-Puissant en amour et miséricorde vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Thank you.
en ce temps, en ces quelques jours qui nous séparent de la fête de Noël, préparons vraiment notre cœur, d'abord par la prière. Qui, avec bien sûr la lumière de l'Esprit-Saint, mais qui, mieux que Marie et Joseph, peuvent nous introduire dans ces mystères que nous allons célébrer. Puisque Marie et Joseph ont vécu pleinement ces mystères de l'Annonciation, la Visitation, la visite des bergers, la visite des mages et bien sûr la Nativité. Alors, prions ces jours-ci, invoquons Marie et Joseph de nous faire rentrer davantage dans ces grands mystères que nous allons célébrer. Et puis, frères et sœurs, disons au monde, disons à nos contemporains et surtout aux jeunes ce qu'est vraiment la fête de Noël. Noël n'est pas n'importe quoi, c'est pas une fête banale, c'est pas une fête de n'importe quoi. Noël, c'est une fête importante pour nous puisque le Christ nous est envoyé pour nous crier l'amour de Dieu et nous dire « Venez, revenez à moi parce que moi je vais vous conduire dans la maison du Père ». Et n'oublions pas que Noël est déjà venu. Mais nous allons célébrer surtout le second avènement de Jésus, qui est pour nous le plus important après, bien sûr, l'incarnation, puisque là, ce sera le jour de la fin des temps, le jugement dernier. Alors nous avons à préparer cet avènement. Et n'oublions pas que l'enfant de Bethléem, Dieu s'est fait petit enfant pour que nous n'ayons pas peur de lui, pour que nous ne doutions pas de l'amour, de la tendresse de Dieu. Surtout pour ceux qui osent penser ou croire ou dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Le bon Dieu m'a puni et le bon Dieu m'oublie, le bon Dieu m'abandonne. » Non. Si Dieu était comme ça, il n'y aurait jamais eu la croix du Christ, il n'y aurait jamais eu la crèche de Bethléem. Eh bien, par ce petit enfant, Jésus, Dieu nous dit que Dieu nous aime. Il n'est qu'amour. Et pourquoi il s'est fait petit enfant ? Pour que nous puissions le prendre dans nos bras et le mettre contre notre cœur, et sentir les battements d'amour du cœur de Dieu. Dieu ne fait que nous aimer, et sur nous, il pleure des larmes d'amour, en nous disant, mais si tu te laissais aimer, si tu croyais à moi, si tu revenais à moi, je suis venu pour te sauver, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Je suis venu te chercher pour te ramener au Père. Alors, frères et sœurs, portons au monde la lumière de Noël, l'espérance, la joie auprès de ceux qui doutent, qui désespèrent, qui pleurent face aux événements de la vie, bien sûr. Mais le Christ nous a dit, n'ayez pas peur, un jour tout cela n'existera plus. Et Sainte Bernadette disait, quand on prie la Vierge Marie, chaque jour, on n'a plus à avoir peur, on n'a rien à craindre. Pourquoi? Parce que c'est au pied de la croix qu'elle est devenue notre mère. Et si Jésus nous a donné Marie pour mère, c'est qu'il y a une raison importante. Et lorsque Marie est apparue ici dans la grotte, vous le voyez, elle avait au bras un grand chapelet. Pourquoi? Parce que le chapelet, c'est une chaîne qui nous unit à la Vierge Marie. Et chaque fois que nous tenons le chapelet en main, nous tenons la main de la Vierge Marie. Alors, frères et sœurs, préparons dans la foi. Et je vous conseille de relire, et si possible avec vos enfants, le soir à la veillée, de relire le début de l'évangile de saint Matthieu, l'évangile de saint Luc, l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la visite des bergers et des mages, afin de préparer notre cœur à cette belle et magnifique fête de l'amour de Dieu, la fête de Noël. Je vous laisse maintenant dans le silence de ce lieu pour continuer votre prière aux prières de la Vierge Marie. Elle est là. Elle nous sourit, elle nous regarde, elle écoute nos prières. Mais avant, écoutons-la. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ici à Lourdes ?